Café est un jeu de pose de cartes et de pick-up and delivery. Les joueurs doivent produire, sécher, torréfier et livrer du café. Dans Café, nous sommes les dirigeants d'entreprises spécialisées dans le café. Nous gérons toutes les opérations, de la production à la livraison. Il existe 4 types de grains. Arabica, Robusta, Excelsa et Liberica. Au début de la partie, les joueurs en ont un de chaque dans leur entrepôt. Chaque joueur commence avec une carte de départ. Les cartes sont divisées en 6 parties, et chaque case peut contenir ou non une image. Les images correspondent aux différentes actions de la chaîne de production. Une partie de café se joue en 8 tours, et chaque tour se déroule toujours de la même manière. Le premier joueur commence par piocher et placer face visible sur la table 3 cartes plan. À partir de son voisin de gauche et dans le sens des aiguilles d'une montre, chaque joueur choisit une carte et en repioche une nouvelle. Si la carte possède une icône tasse, le joueur doit payer un jeton de son entrepôt. S'il a 2 bateaux visibles dans sa zone de jeu, il ne paye plus rien. La carte est placée sur sa zone de jeu. Elle doit se superposer sur 2 à 4 cases, d'une ou plusieurs cartes déjà présentes. Si des jetons café sont recouverts, ils sont défaussés. Les joueurs peuvent ensuite faire des actions. Chaque tasse de café non recouverte offre une action. Il existe 4 types d'actions. Produire, sécher, torréfier et livrer. Produire consiste à placer un jeton café sur une case de production vide de la même couleur. Sécher permet de prendre tous les jetons d'une couleur, d'une ou plusieurs cases de production, et de les mettre sur une case de séchage vide. Torréfier consiste à prendre tous les jetons d'une couleur, d'une ou plusieurs cases de séchage, et de les placer sur une case de torréfaction vide. Quant à livrer, il s'agit de prendre tous les jetons de toutes les cases de torréfaction, peu importe leur couleur, et à les placer sur des cafés ou dans son entrepôt. Il est possible de les répartir. Un café partiellement caché ne peut pas recevoir de jetons. Une fois dans son entrepôt, les grains ne peuvent plus être déplacés vers un café. Pour les 3 premières actions, il est possible d'optimiser les choses. Si plusieurs cases sont adjacentes et ont la même icône, le joueur peut toutes les produire, sécher ou torréfier avec une seule action. Chaque café a des exigences particulières et offre des points de victoire en fin de partie s'ils sont remplis. Les joueurs gagnent aussi des points pour les jetons dans leur entrepôt. 2 points par jeton de la couleur la plus faible et 1 point par jeton de la seconde couleur la plus faible. Pour conclure, Café est un jeu rapide aux règles simples. Mais il faut savoir optimiser son placement et gérer au mieux ses différentes icônes.